Salut tout le monde, ici le Capitaine Flamme. On se retrouve aujourd'hui pour le setup concernant le saisonnier NSX prototype Emerald Car, donc sur Millfield hein, en 550 pp. Donc voilà, pour ma part, ça me faisait 485 chevaux avec 1143 kg. Donc n'effectuez pas la vidange, donc avec une rigidité si vous désirez, hein, ça peu importe. Pour moi, j'ai fait la rigidité. Hein. Donc le setup est le suivant. Donc au niveau de ma garde au sol, j'ai mis 85 à l'avant. Et 80 à l'arrière, hein, voilà. Donc hein, pour ça, pourrait éventuellement changer, mettre 80 à l'avant et 85, hein, si vous voyez que vous n'êtes pas trop à l'aise comme ceci. Voilà, ça marche aussi. Hein. Donc au niveau de l'amortissement avant, j'ai mis 4,43 à l'avant, donc très souple, et 10,8 à l'arrière, donc un peu dur. Hein. Si vous baissez de trop, ce qui va se passer, c'est que l'arrière va chasser en sortie de virage. Hein. Donc voilà pourquoi l'arrière est quand même plus dur. Sinon, vous aurez problème en sortie de virage. Au niveau de l'amortisseur compression, donc 3 à l'avant, 4 à l'arrière. Et en extension, donc 4 à l'avant, 3 à l'arrière. Hein, ce qui fait 3,4 et 4,3. Voilà. Au niveau de la barre en théorie, donc 7 à l'avant, 6 à l'arrière. Angle de carrossage 0,2 et 0,2. Ça, on pourrait la mettre à 0 si vous le désirez, vous verrez par vous-même. Et en ce qui concerne l'alignement, donc j'ai mis 0 à l'avant et 0 à l'arrière. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Vous pouvez jongler, je pense, jusqu'à moins 10 devant en alignement et plus 0,15. Hein. Voilà, après, moi, 0,0, ça me convenait. Et en ce qui concerne la garde, les freins, excusez-moi, donc. Tiens, c'est bizarre ça, faut que je vois ça. Ouais, excusez-moi, donc 5 à l'avant, 4 à l'arrière. Hein, donc voilà. Et au niveau du DGL, donc 9, 5 et 15 en sens petit frein. Ce qui concerne l'aéro, donc aéro à fond. Hein. Et au niveau de poids du lest 0. Et je suis à plus 25 au niveau du l'équilibrage du poids du lest. Voilà. Donc avec un temps de référence, il me semble, de 1.10.860, hein, ce qui me classe dans les 130e, je crois. Voilà. Allez, bah, j'espère que ce setup vous aidera, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le saisonnier, ou ceux qui désirent l'améliorer un petit peu, quoi. Voilà. Allez, salut tout le monde, à plus tard, bye.